Bon, on m'a envoyé cette vidéo, on m'a demandé est-ce que je pouvais en faire une review et dire un petit peu ce que j'en pense. Donc ce sera une vidéo en français. Ouais, c'est rare. Si jamais tu veux que je réagisse sur certaines des vidéos, envoie-moi ça par Instagram. Surtout ça, si tu veux qu'en plus je réagisse sur des vidéos, par exemple des influenceurs ou des vidéos en français, tout simplement, ben envoie-moi ça parce que moi je regarde pas de contenu en français, pas pour faire le mec qu'un riz, c'est juste que pour travailler mon anglais, je préfère regarder que du contenu en anglais et du coup, ben, YouTube me recommande seulement des vidéos en français. Donc on va commencer la review, j'ai même pas encore bien regardé la vidéo, je la connais pas spécialement, voilà, donc si tu regardes la vidéo, j'ai rien contre toi, il n'y a pas de problème, mais je vais te donner mon avis par rapport, parce que le sujet c'est les femmes en forme et les gars, etc. Bref, de toute façon, tu vas voir ça. Je te rappelle que pour tous ceux qui sont intéressés pour lancer leur business en ligne et qui ne savent pas sur quelle idée business se lancer, j'ai mis un système qui te permet en fait de savoir exactement l'idée business qui va correspondre à ta personnalité. C'est-à-dire que tu vas remplir un formulaire, ton expérience, tes qualités, tes passions, etc. Enfin, tu auras tout un petit questionnaire à remplir. C'est pas grand-chose, il y a 6 questions. Et comme ça, après, d'ailleurs, on t'envoie un email. Et tu auras exactement les idées business qui correspondent à ta personnalité. C'est ce qui compte. La meilleure idée business, ce n'est pas une idée business comme ça parce que quelqu'un a réussi. C'est l'idée, la meilleure idée business, c'est celle qui correspond à ta personnalité. Date, quand une femme avec des formes ou en forme, on en parle ou faut que je parle de mon pire date? Il m'a clairement dit, ah ouais, toi tu manges, hein, quand il m'a vu. Les meufs qui ont des formes. Non mais, non, lui il abuse. Tu abuses, le gars même il abuse. Il a dû voir. Je pense qu'il a pensé à haute voix. Je pense qu'il a pensé à haute voix. Ou sinon c'était dans la gaminerie au maximum. Ce que je peux entendre aussi, parce que je suis dans la gaminerie aussi, mais quand même là c'est un gamin. On est ensemble. On est grave ensemble en fait. Et cette expérience, elle m'a tellement traumatisée que maintenant, dès que je parle à quelqu'un, je suis en mode, par contre, j'ai un truc à dire, moi j'ai des formes. Au moins, tu sais tout de suite, tu vois. Depuis que j'ai pris du poids, j'ai vraiment vu le changement au niveau du dating, la différence, j'ai l'impression. Ça, c'est bien ça, tu vois. Quelqu'un qui était, par exemple, dit qu'elle a pris du poids, donc j'imagine qu'avant, elle était plus mince, logique, elle était mince. Et bien, ça, c'est bien d'avoir l'expérience des gens qui étaient minces et qui après, qui deviennent en surpoids. Comme ça, elles savent comment c'était avant. Et elles savent commencer après. Parce que des fois, je vois des meufs qui mettent des commentaires. Je leur dis, ouais, les femmes en surpoids, bah, les femmes obèses, les gars sont pas attirés par les femmes obèses. Elles me disent, si les gars sont attirés par les femmes obèses, j'ai plein de gars, nani. Oui, mais pour du court terme. Ouais, les gars, et pour du court terme, les gars sont pas exigeants. Donc oui, mais après, pour que tu viennes ta femme, non, c'est pas vrai, j'ai plein de gars. Ok. Et ça, je l'ai vu même pour l'inverse. Je parlais avec une fille qui était en surpoids avant, qui était obèse. Et quand elle est devenue mince, et du coup, comme elle était obèse et qu'elle est devenue mince, ça faisait même une meuf un peu genre tic un peu, donc ça faisait bien, tu vois. Elle a dit, mais j'ai vu la différence directe, ça n'avait rien à voir. Bref. Certaines personnes, ça ne les dérange pas qu'une meuf a des formes, mais seulement avec un type de morphologie bien précis. Effet sablier, ventre bien plat, taille hyper fine, mais avec des formes. Ça, je confirme. Je confirme, elle a raison. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui aiment les femmes comme ça. Alors, ce n'est pas tous les gars qui aiment les femmes comme ça, il y a des gars qui aiment les femmes skinny. Voilà, mais on va dire, d'une manière générale quand même, genre tout ce qui est culture hip-hop, tout ça, les gars, ils aiment bien les femmes comme ça. Ventre plat, un fessier assez chargé. En fait, c'est pas du tout ça. Les formes, ça vient en tout type de morphologie, en tout type de forme, et c'est pas une seule forme qui est bien, tu vois. J'ai l'impression, quand t'es une meuf avec des formes, les gens, les personnes, ça ne les dérange pas de t'avoir dans ton lit. Mais par contre, pour se mettre avec toi, là, y'a plus personne. Alors moi, je ne suis pas dans ça, voilà. Mais j'ai reçu tellement de messages et de DM en mode tu veux passer la soirée avec moi et tout, mais jamais de messages sérieux en fait. Beaucoup, beaucoup d'hommes sont énormément attirés par les femmes avec des formes dans l'aspect charnel, mais il y a très peu de messages sérieux en mode oui, est-ce que tu veux te poser avec moi, etc. Ça m'a choqué en fait. Pour eux, ça se résume qu'à un fantasme en fait. En tout cas, ma chérie, tu es belle, tu es intelligente, brille, scintille, rigole, parle fort, prends de la place. Bon, je sais pas qu'est-ce que le gars, je sais pas qu'est-ce que tu voulais que je te dise par rapport à ça. Ben, je suis d'accord avec ce qu'elle dit.
Voilà, les gars, en fait, elle dit, ce qu'elle dit, en fait, son expérience, c'est ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est que les hommes, ça leur posera pas de souci d'avoir une relation court terme avec une femme qui est en surpoids. Par contre, pour que ça soit après sa femme, il sera beaucoup moins chaud. Voilà, c'est ça un secret pour personne, parce que les hommes sont beaucoup plus exigeants lorsque... En fait, les exigences d'un homme commencent réellement quand on parle de relations long terme. C'est pour ça que les femmes, elles galèrent pour pouvoir avoir un engagement d'un gars, parce que ces standards, ils sont plus élevés lorsqu'il s'agit de se marier avec une femme. Alors que rentrer en intimité avec une femme, il ne sera pas très regardant, en tout cas beaucoup moins. En gros, le critère, c'est une femme. Alors, après, plus le gars a des options, bah, plus il y aura plus d'exigences pour même rentrer en intimité avec lui. Mais d'une manière générale, t'es une femme, bon, voilà, t'auras accès au sexe avec pratiquement tous les hommes. D'où pourquoi leur ego il flambe et qu'elles pensent que c'est des bombasses, même si elles sont obèses. Aux États-Unis, c'est une dinguerie. Les meufs, elles sont, putain, c'est un truc de ouf. C'est tellement les gars, je pense, ils sont en galère, je sais pas ce qui se passe, mais les meufs, il n'y a rien qui va, et pourtant, elles pensent que c'est des bombasses. Tu leur dis de se noter 10, la perfection, la perfection. J'ai dit, mais toi, si c'est 10, c'est comment, genre, je sais pas, Jennifer Lopez à son pic, c'est comment? C'est 7, tu sais? Ouais, mais c'est pas pareil. Ça bégaye tout de suite. Donc ouais, bon, je sais pas quoi te dire de plus là. En gros, ben ouais, ce qu'elle dit, c'est la vérité, tu vois. Après, bon, moi, ce qui me choque toujours, c'est le fait que les femmes, d'une manière générale, n'ont pas envie de faire de changement, en fait. Elles n'ont pas envie de travailler sur eux, elles n'ont pas envie d'être mieux, elles n'ont pas envie de perdre de poids. Elles disent simplement que tu dois m'aimer comme je suis. Bon, voilà. C'est juste ça où... Je pense, en tant qu'homme, on a du mal parce qu'on ne comprend pas le principe. Parce que nous, pour pouvoir séduire une femme, pour pouvoir l'attirer, on est obligé de travailler sur nous. On ne peut pas être obèse. Si tu es obèse, la vie te gifle tout de suite. T'es un gars, t'es obèse, il n'y a pas de body positif, il n'y a pas de, ouais, comme elle dit à la fin, ouais, t'inquiète pas, ma jolie, tu scintilles, tu brilles, parle fort. Bon, ça, je suis pas sûr que ça soit très attrayant d'un point de vue d'un homme de voir une femme qui parle fort, mais bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, par exemple, quelqu'un va me dire, ouais, mais elle fait ce qu'elle veut, on va pas changer pour vous. Ben oui, mais après, en fait, personne n'impose quoi que ce soit à personne, hein. C'est juste qu'à partir du moment où tu ne prends pas conscience que tu es sur un marché du célibat, ça veut dire qu'il y a une offre et une demande, et tu agis comme si ben, on s'en bat les reins de ce que la demande veut, eh ben, tu n'auras jamais le résultat que tu veux. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, en tant qu'homme, nous, on aura toujours du mal à comprendre ce truc parce que nous, si on ne travaille pas sur nous, un gars qui est obèse, s'il ne perd pas du poids, il ne va jamais gérer aucune femme, rien. Il ne va attirer aucune femme, ce sera zéro. Zéro. Donc nous, en fait, on n'a pas le choix. Donc en tant qu'homme, les gars, c'est pour ça qu'ils ont un peu plus de mal à comprendre le concept de « Ouais, ben non, tu dois m'aimer comme je suis, j'ai rien à changer, tu dois m'aimer comme ça, quoi. J'ai pas besoin de travailler sur moi, j'ai pas besoin de perdre du poids, j'ai pas besoin de faire… Je fais ce que je veux, en fait. » En gros, là, et le résumé, c'est ça. Je suis une femme, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est qu'après, tu te retrouves toute seule. Voilà. Donc après, tu t'appuies sur du sexe, voilà. Les gars, ils te servent de toi que pour faire, en fait. Voilà, ils rentrent en intimité, puis après, tu as 30 ans, 40, tu comprends pas ce qui se passe. Mais en général, quand ils arrivent à la trentaine, ils commencent à se poser des questions quand même. Ils disent, attends, peut-être que ce serait intéressant de s'intéresser à ce que les gars recherchent chez une femme. Voilà, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à avoir un peu moins d'attention ou qu'elles voient que ben, le cercle, en fait, il finit jamais. Ça revient toujours à la même chose. Là, un gars, le gars rentre en intimité. Parce que les gars, après, ils mentent. Ils disent, ah ouais, moi, je préfère les femmes en chair. Là, moi, je préfère ceci. Voilà. Ils mentent parce qu'ils veulent juste rentrer en intimité. Et puis après, une fois qu'elle voit qu'elle s'est fait douiller plusieurs fois, qu'elle arrive à 30 ans, elle se dit, bon, bah attends, peut-être qu'il faut que je fasse un truc. Et là, elle s'intéresse à ce qu'un homme veut. Et là, du coup, elle fait ses changements. Mais dans son malheur, elle n'est plus à son pic. Voilà. Parce qu'elle est en concurrence directement avec une femme de 20 ans. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, n'oublie pas que bah, tu as Zion. De toute façon, tu as tout en description. Check. Mais mon groupe de 10%, en tout cas, si tu veux faire de l'argent, être indépendant financièrement, etc., c'est Zion. Tu check ça, c'est dans la description. Et puis après, il y a toutes les autres formations si tu vas aller plus loin avec moi. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.